Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir éleveur grâce à notre école de formation en élevage en ligne. La théorie avant tout. Va en formation professionnelle premier et tu deviendras un éleveur formidable grâce à sa compétence. Mon frère, viens investir. Ma soeur, viens investir. Tes soeurs là, laisse-les de côté. Tes frères là, laisse-les de côté. Tu as la foi en toi. Je t'affirme que ton projet là, ça va tourner. Pourquoi tu penses que tu as eu ton argent dans les règles normales et tu penses qu'ils vont t'arnaquer? Non! Ceux qui ont l'argent et puis ils se font arnaquer là. Hey, l'argent là, c'est pas sorti à la sueur de leur front. Si tu as argent, Dieu n'est pas contre toi. Dieu n'est pas contre quelqu'un. Pourquoi toi, tu vas aller travailler? Gagner de l'argent avec ta rigueur et puis quelqu'un va venir non t'arnaquer. Non, c'est que toi-même tu as arnaqué pour avoir l'argent. C'est pourquoi ils t'ont arnaqué. Si tu as volé l'argent là pour venir investir là, peut-être c'est là ils vont voler. Sinon, si tu as eu de l'argent dans des conditions normales, mon frère, ton investissement ça serait dans des conditions normales. Tu auras Dieu ne peut pas être contre toi. On récolte ce qu'on sème. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Investis dans l'élevage. Moi, c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un boulot, c'est très bien. Tu travailles pour quelqu'un, c'est très bien. Tu as un salaire à la fin du mois, c'est très bien. Tu arrives à payer ta maison, tu arrives à gérer toute la famille. C'est parce que tu travailles aujourd'hui que tu arrives à payer. Est-ce que demain, ça va te garantir une sécurité financière? Donc, n'hésitez pas une seule seconde à prendre contact auprès de notre structure pour votre formation en élevage. Messieurs et dames, on veut vous aider. On veut que tout le monde avance dans le milieu avicole. Que ce soit jeune, que ce soit élève, que ce soit étudiant, fonctionnaire. Ouais. Mes frères, mes soeurs, il faudrait que je vous parle un peu. Alors, prenez au moins 10 minutes dans votre temps pour écouter ce que je vais vous dire. Parce que ça peut changer quelque chose dans votre vie. Vous savez, la vie, elle est très très courte. Surtout quand on est à l'étranger. On passe tout notre temps à l'étranger. Ici, par exemple, ceux qui sont sur place en famille, c'est bien, ils ont des problèmes, mais bon, on ne peut pas les insulter demain pour dire non, tu allais passer ton temps en Europe, tu n'as rien envoyé ou bien tu n'as rien. Non, tu peux tomber malade, ils vont te soigner sans problème, sans parler. Mais si tu es à l'étranger, que tu viens sans rien réaliser, que tu tombes malade ici-là, mon frère, ils vont te rejeter. Parce que ils vont te traiter de tous les noms. Que non, tu es parti, tu n'as rien fait de bon, tu es revenu, ce sont les sales maladies. Et attention, je ne suis pas en train de te dire que non, c'est ce qui va arriver. Où est-ce que je vais en venir? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les mêmes personnes qui vont vous insulter demain, que non, tu es allé à l'aventure, tu n'as rien fait de bon, tu es revenu, maintenant voici ça là. Ce sont ces mêmes personnes qui sont en train de mettre les bâtons dans vos roues aujourd'hui. Je vous explique. Pourquoi ils sont en train de mettre des bâtons dans vos roues? C'est au niveau de vos investissements. Alors, vous savez, il y a plusieurs personnes, plusieurs jeunes qui sont franchement en Europe. Je vais d'abord décrire les conditions de vie. Un, vous êtes dans le froid, vous vivez dans le froid, vous travaillez dans le froid, vous travaillez dur parce que tu es à l'étranger pour avoir quelque chose. Vous dormez mal. Vous mangez mal. Bon, quand je dis dormir mal, bien, c'est bien, mais ça veut dire tu dors en réfléchissant. Tu dors parce que tu n'es pas à l'aise. Je ne parle pas de l'aspect de la maison, mais je parle en qualité de, comment on appelle ça, d'un coach, d'un conseiller et aussi d'un agent de projet. Par exemple, tu dors un de toi, tu te réveilles, tu réfléchis comment va ma famille au pays, j'ai mes enfants là-bas ou bien j'ai mes enfants ici. Bon, si je ne sais pas d'investir où je suis ici, je ne suis pas chez moi, je n'ai pas la nationalité d'où je suis, mais si demain je suis rapatrié ou bien si demain quelque chose de pire m'arrive, qu'est-ce que je vais en devenir? Pour ça, tu dois travailler dur parce que tu n'es pas chez toi. On est d'accord?
Alors, donc, vous travaillez dur. Manger aussi, voilà. Tu peux pas gaspiller ton argent parce que tu vas te dire non, je peux pas tout mettre dans manger seulement. Je vais économiser afin de trouver quelque chose pour se retrouver bientôt dans mon pays. C'est bien. Pensez à vos années de souffrance et cachez-vous pour grandir. Vous voyez le champion? Le champion met 27 jours sous la terre et 2 jours pour sortir. Donc, ça dit 29 jours. Et quand ça sort là, au bout de 26 heures, je dis bien 26 heures, c'est fini. La champion est déjà sortie. Au bout de 26 heures, si on n'a pas déterré, allez, ça pourrit. Ça veut dire c'est déjà sorti. Lui, il s'en fout. C'est sa naissance. Il cherche plutôt. Voilà, le champion a germé bien. Au bout de 26 heures, ils n'ont pas déterré. Allez, voilà. De toutes les manières, il a existé. C'est comme ça la vie d'un être humain. Un homme doit se cacher pour grandir. Vous savez, les vrais investisseurs dans le monde entier, ils n'ont jamais investi sous la contrainte ou bien sous l'influence de leur famille. Pourquoi vous ne voulez pas fermer vos bouches pour investir? Pourquoi vous pensez que non, vous allez investir, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, et vous êtes obligé de dire quoi que ce soit à vos familles. Pourtant, cette famille ou ces familles ne seront pas à la base de vous aider. Pour eux, investir dans la main de quelqu'un d'autre, tu peux tenir bien ton projet, c'est illégal pour eux. Pourquoi? De un, eux ils voient qu'ils sont là. Tu ne les as pas donné la responsabilité de gérer ton projet. De deux, ça crée une jalousie. Donc de trois, ils se disent, bon, si telle personne est maintenant sur la supervision de son projet, ça veut dire demain, même pour construire sa maison ou bien pour faire les autres choses ici, il ne serait plus en mesure de mettre l'argent dans ma main, de faire ceci, de faire cela. Et il va donner ça à son agent de projet, c'est à lui de venir me donner certaines choses. Là, lui, il peut profiter pour me poser des questions pour voir si vraiment certaines choses, se sont réalisées. Vous voyez un peu, et quand c'est comme ça, ils ou elles sont prêts à détruire complètement le projet en toi et l'agent de projet qui n'est pas de ta famille. C'est le cas de plusieurs personnes. Vous savez, je viens de dénombrer certains cas. Voilà. Et ces personnes m'ont rappelé plus tard pour me dire non, que c'est leur famille, voici ce qu'ils ont dit, tant. Souvent, il y a certains membres de leur famille, ils viennent même là, souvent, bon, je sais pas s'ils veulent t'espionner, tu parles même, ils prennent, comment on appelle ça, ils mettent leur téléphone, ils sont en train de mettre leur téléphone dans la chose, enregistrement audio. Bien, mais vous pensez que les gens se cachent? Personne ne se cache, personne ne va venir se montrer son visage tous les jours devant les réseaux sociaux et vous allez penser qu'il est malhonnête. S'il est malhonnête, il va faire vidéo une fois, deuxième fois là, il ne serait plus sur vidéo, il est en prison là-bas. Nous, on fait le projet depuis longtemps, on est dans le projet, on n'a jamais voulu, on n'a jamais arnaqué quelqu'un, on est toujours là. Vous voyez toujours, on est toujours sur les mêmes réseaux sociaux. Vous pensez qu'on est, comment on appelle ça, on gère pas projet, on gère projet des gens, mais si vous voyez qu'on est toujours en vie, comment on appelle ça, vous voyez toujours, on est sur la même place, on n'a pas frôlé de prison, on n'a rien eu de manière illégale, c'est que, voilà, on est dans ce qu'on fait. Mais certaines fois, bon, vous allez pas, il y a d'autres personnes qui peuvent regarder, ils vont penser que non, quand je dis on est honnête. Alors, donc vous voyez un peu, il y a de la crédibilité. Par contre, je vois certaines personnes aujourd'hui, ils s'en vont même, ils montent des dossiers. Jusqu'au plus haut sommet, ils montent des dossiers jusqu'au plus haut sommet pour dire non, ils vont investir, ils vont leur donner des garanties normales, mais après, on ne sait pas où le projet entre. Ils se font arnaquer même, ils se font arnaquer au noir. Quand je dis au noir, tu as signé le partenariat avec lui, mais le projet, souvent même, tu sais même pas qu'est-ce que l'agent a fait et puis le projet n'a pas marché. C'est là, à partir de là, certaines personnes parlent de chèque pour dire non, le chèque c'est une réalité. Hey, ils sont en train de vous blaguer. Tu vas pas me dire que tu es en train de chercher l'agent de 10 ans pour venir investir et l'agent de 10 ans là, ça va partir en un seul mois et puis tu as dit non, que ce sont les risques du projet. Tu as trouvé où?
l'argent ou encore pour venir investir. C'est zéro. Voilà. Parce que, de un, quand vous voulez investir, vos entourages, quand vous leur parlez un peu de vos projets avec une autre personne, de un, ils veulent s'interposer. Mais ils vont pas s'interposer automatiquement s'ils n'ont pas croisé d'abord le gérant ou bien l'agent, celui qui va gérer ton projet. Donc, ils vont venir croiser celui qui va venir gérer ton projet pour trouver des failles, pour le dénigrer, pour dire non, je suis parti. Bon, je vois que c'est pas honnête, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et c'est faux. Comment je dis, quand je dis ils vont venir ou bien elles vont venir pour trouver des failles, ce n'est pas de failles, mais ce sont des inventions. Ils font eux-mêmes. Voilà. Ils font des inventions eux-mêmes. Bon, ils prennent ça comme un alibi parce qu'ils sont venus te voir. Donc, maintenant, s'ils disent que telle chose s'est passée comme ça, tu vas croire. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est comme ça, ça se passe. Et toi aussi, ça te décourage quand c'est comme ça. Tu te dis, bon, ok, il n'y a pas de souci. Je vais pas investir, ok, t'entends, ou bien je vais donner ça à ma soeur, à mon frère, et je vais te dire, tu as 200. Même 200, même c'est trop. Ils vont te dire, non, que l'argent là, ils ont pris ça pour soigner tes neveux. Ils ont pris l'argent là pour suivre, non, pour payer les coûts de vos neveux. Ils ont pris l'argent là pour faire mariage de vos neveux. Ils ont pris les mariages là, parce qu'il y a l'argent là pour payer caution de l'un de tes neveux qui devrait aller en prison. Je te le dis en même temps. Oui. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Vous voulez vous lancer dans le projet. Fermez vos bouches. Je dis fermez vos bouches. Mettez-vous en contact avec celui donc, qui doit gérer vos projets, qui n'a rien à voir avec vos familles, qui va gérer vos projets. Mettez-vous en confiance avec lui. Prenez le plus grand risque. Si tu n'es pas arnaqué, mon frère, tu vas t'en sortir. Parce qu'il aura la crainte un jour de... Ils se disent donc que si j'essaie de détourner quelque chose, ça peut me traduire demain dans des endroits où je ne devrais pas être traduit. Vous comprenez? Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Vous pensez que nous, j'ai pas projet. On gère projet des gens. Combien de temps on est dedans? Combien de temps? Est-ce que vous avez vu, vous avez vu ici, on a une fois fait, comment on appelle ça, des mois ou bien des semaines sans faire vidéo? Non, ça veut dire on est toujours disponible, on n'a jamais fait objet de poursuite. Voilà, ça veut dire tout ce qu'on fait ici, c'est de la crédibilité. C'est normal. On n'estoque pas, on n'arnaque pas, on fait les choses dans les normes. Tu viens, on te dit voici, 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 tu payes nos droits, automatiquement on gère ton projet, tu gagnes, on en gagne. C'est fini. Mais quand tu vas aller voir les membres de ta femme pour dire non, je vais investir dans la main de celui-là, il faut aller le trouver, il faut aller le questionner. Va regarder d'abord si c'est mon frère. Tu es en train de te piéger toi-même. Parce que tu as déjà dit tu veux investir. Donc pour la personne qui doit venir maintenant le croiser là, elle, la personne va faire tout possible pour couper le lien, le partenariat qui est entre vous. On est d'accord? Et quand ça va couper maintenant, il sait maintenant que tu as l'argent pour investir. Donc pour ça maintenant, elle, la personne va commencer à te proposer des marchés. Pour dire, ah, il y a telle chose, il y a un camarade qui m'a parlé de ça, j'ai un camarade qui m'a parlé de ça, il paraît que c'est bon, ça là, si tu investis dedans, c'est bon. Et attention, tu vas investir. Parce que ça là, on appelle ça le charme. C'est membre de ta famille. Il a dit non, il lui, comment on appelle ça, la membre de ta famille t'a dit déjà que lui, il a confiance en quelqu'un. Donc, automatiquement, toi, tu as confiance en lui. Ça traverse comme ça. Pourtant, membre de ta famille n'a pas confiance en quelqu'un. C'est un faux prétexte. C'est un faux prétexte. Quand ton agent va venir là, tu vas voir ce que ça va commencer à faire. Au bout de quelques mois ou bien au bout de quelques jours, vous allez voir le changement. Vous savez, je suis en train de le dire. Pourquoi je le sais? Parce que je vous affirme. Voici ma main en l'air. Aujourd'hui là, on est en face de ces problèmes. Souvent, d'autres personnes te décrivent les histoires. J'ai fait venir de l'argent. Voici ce qu'ils ont fait avec mon argent. Actuellement, je ne peux plus parler. J'ai envoyé l'argent même pour construire mes maisons. Rien. Car ils n'ont pas construit. Ils m'envoient les n'importe quoi, les photos pour dire non qu'ils ont fait les fondations. C'est faux. J'ai envoyé l'argent pour qu'on entreprenne dans la main de ma cousine. Et t'entends, rien n'a marché. Combien de fois, ou bien comptez ceux qui ont investi dans la main de leurs membres de famille qui sont devenus des gens ou bien qui tiennent encore sur leur projet.
pratiquement rien. Quand je dis pratiquement rien, peut-être 3% existe, mais 10%, mais 7%, zéro. Tout à fait. Tout à fait. Donc, le seul conseil que moi je vais vous donner, mes frères, mes soeurs, de 1, ne soyez pas des perroquets. Voilà. Non, je ne suis pas en train d'insulter. Ne soyez pas des perroquets. C'est vrai. Vous pouvez aller directement avec les gens sans même faire un petit papier. Pourquoi vous n'avez pas confiance aux gens? Les gens, à vous tous, les gens ont confiance à vous. Mais vous n'avez pas confiance aux autres. C'est faux. C'est pas bien ça. Imaginons. Aujourd'hui, ceux qui sont, par exemple, en Europe. Regardons, hein. Il y a des pays qui sont confinés aujourd'hui. Tu es, par exemple, ivoirien, tu te trouves, tu es maintenant dans un pays, par exemple, un pays français qui est confiné. Par exemple, tu es là-bas. Imagine ton avenir. Et je vous affirme que, qui savait que il y avait quelque chose qui pourrait venir, comment on appelle ça, déranger le monde, ou même les États vont créer état d'urgence. On ne savait même pas où tout serait bloqué. On ne sait même pas. Tu es sûr que si tu travailles au noir, ils vont te payer? Non. Tu vas faire comment pour manger? Non. Pour finir là, vous allez voir qu'ils vont dire non, que chacun va rentrer chez lui. Et quand tu vas rentrer chez toi, si tu n'as rien sur pied là, c'est là que tu vas comprendre que la vie, c'est dur ou bien c'est pas dur. Ceux qui ont des choses, ceux qui ont d'abord, ils sont là-bas, ils ont des maisons là. Merci, bravo à vous. Ils ont des projets, bravo à vous. Parce que quand ils vont venir là, ils vont ouvrir les portes et puis ils vont rentrer demain là. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, tu es allé en Europe, tu as fait le tour, tu es allé faire de n'importe quoi, tu es revenu sans rien faire. Ils ne peuvent pas t'insulter. Mais par contre, toi, tu n'as pas ça. Hein, mon frère, ils vont t'insulter, ma soeur, ils vont t'insulter. Ils vont dire non, tu es allé te chercher, mais tu n'as rien fait de bon. Pourtant, ce sont les mêmes personnes qui pensaient qu'ils étaient plus intelligents que toi, qui t'ont trahi, et demain, ce sont ces mêmes personnes qui vont venir t'insulter. Si ils t'insultent même, c'est bien. Parce qu'ils vont couper igname. Parce que quand tu vas investir, ça va pas marcher entre toi et eux là. Le courant va plus bien marcher. Quand tu vas parler d'une manière, si c'est une femme, elle va dire ça à ses enfants pour dire non, que votre oncle, il m'insulte. Automatiquement, divergence. Ils seront fâchés parce que tu insultes les mamans. Si tu as un frère garçon aussi, comme ça, vous allez voir que ça va mettre des problèmes. Aujourd'hui, on a vu. Et aujourd'hui, dont je vous parle, mes frères, je sais de quoi je vous parle. Ça met beaucoup de personnes en... Vous savez, on vient de se lancer. Et actuellement, les nouvelles dont nous disposons, ce sont les nouvelles qui font souvent froid dans le dos et qui donnent forcément la chair de poule. Vous voyez, c'est pas facile. C'est pas facile. Vos conditions de vie ne sont pas faciles. Surtout ceux qui sont à l'étranger. Ceux qui sont dans les pays là, ils sont à l'aise, hein. Je vous affirme. Il n'y a pas de pression. Tu veux, tu t'en au travail, tu veux pas là, tu es dans ton pays. Tu as une maison là, tu es dedans. Tu es à l'aise. Tu t'en fous. Parce qu'ils vont pas te dire non que tu as une soeur qui est décédée, ou bien ta maman est décédée, tu n'auras pas besoin de billets d'avion pour partir. Tu n'auras pas besoin de ce que tu as appelé visa ou bien je sais pas de quoi d'autre. Tu n'auras pas besoin de tout ça là pour partir. Tu te lèves, tu t'en vas. Il n'y a pas de transport si cher. Mais imagine, mon frère, tu es loin. Souvent, tu travailles, c'est bien. Mais quand le travail va s'arrêter avec les mouvements de coronavirus qui viennent, on a vu maintenant, la France, par exemple, je prends le cas de la France, de l'Angleterre, seront confinés combien de fois dans les deux premières années? Combien de fois? Et ça prend combien de temps? Qui serait payé? Qui ne serait pas payé? Même aujourd'hui, dont je parle en Côte d'Ivoire, quand on a eu le confinement ici, qui sont ceux qui ont été payés et qui sont ceux qui n'ont pas été payés? Même, tu travailles, même quelqu'un qui a été payé, a dit un fonctionnaire d'État même là, il veut pas te payer. Il te dit, non, il y a coronavirus, c'est dur. Pourtant, ils l'ont payé, mais il veut pas te payer. C'est pour dire que tu vas travailler pour des entreprises en privé là, les entreprises qui ne sont pas pour l'État là. Les entreprises là, ils vont leur donner les dividendes du coronavirus. Voilà. On les soutient financièrement, mais ils vont pas vous soutenir financièrement. Eux là, ils vont prendre pour mettre dans leur compte pour dire non, c'est dur, on n'a pas travaillé. Vous pensez qu'ils vont payer? Non. Mon frère, viens investir. Ma soeur, viens investir. Tes soeurs là, laisse-le de côté. Tes frères là, laisse-le de côté. Tu as la foi en toi. Je t'affirme que ton projet là, ça va donner. Pourquoi tu penses que
Tu as eu ton argent dans les règles normales et tu penses qu'ils vont t'arnaquer. Non, ceux qui ont l'argent et puis ils se font arnaquer là. Hey, l'argent là, c'est pas sorti à la sueur de leur front. Si tu as argent, Dieu n'est pas contre toi. Dieu n'est pas contre quelqu'un. Pourquoi toi tu vas aller travailler à gagner de l'argent avec ta rigueur et puis quelqu'un va venir non t'arnaquer. Non, c'est que toi-même tu as arnaqué pour avoir l'argent. C'est pourquoi ils t'ont arnaqué. Si tu as volé l'argent là. Pour venir investir là, peut-être c'est là ils vont voler. Sinon, si tu as de l'argent dans des conditions normales, mon frère, ton investissement, ça serait dans des conditions normales. Tu auras Dieu ne peut pas être contre toi. On récolte ce qu'on sème. Tu as semé de voler l'argent pour investir, ils vont récolter aussi ton argent. Mais si tu as semé ton argent, non, si tu as récolté de l'argent d'un endroit où tu as travaillé de manière rigoureuse, mon frère, ils vont récolter ça là-bas aussi de manière rigoureuse. Ils vont bien travailler. Mais ne dites pas que je serai arnaqué. C'est pourquoi je veux mettre ma femme. Et puis, quand tu mets ta famille au courant, si, bien que le projet a marché, ils vont dire partout que tu as un projet. Ici, là, on va voir. Quand quelqu'un serait malade dans la famille ou bien il y a quelque chose là, il y a ta fille, un, deux, trois, ils vont t'appeler. Ah, tu ton gars là. On est d'accord? Non, c'est pas bon. Je peux pas vous dévoiler certaines choses. On sait ce quoi on traverse, mes frères. On sait ce quoi on traverse, mes soeurs. Arrêtez ça. Donc, suivez la vidéo. Encore, suivez. Il y a autre conseil. Donc, suivez. Vente de matériel d'élevage. À savoir, abreuvoir manuel et automatique, mangeoire manuel et automatique, des pipettes, des cases modernes et traditionnelles, des poussins blancs, des poussins roux, des poussins pondeuses, des œufs fécondes, des couveuses, autrement dit, des incubateurs, des moulins, des mélangeuses, des produits végétaux comme les vitamines, les antibiotiques, les anticoccidiens, les aliments comme les aliments de démarrage, les aliments de croissance, les aliments de finition, des fermes de location, des fermes en vente, des terrains de construction de fermes, des motos pour la ferme et des camions pour la ferme. Donc, c'est-à-dire tous les matériels et produits de ferme sont disponibles dans notre école de formation en élevage. Donc, ok. Donc, vous voyez, c'est la ferme qui est là. On est de visite. Voilà. Je suis venu visiter la ferme. Franchement, ici, c'est à côté poulet de chair. Donc, vous voyez, c'est poulet de chair qui est là. Là, c'est poulet de chair. Côté poulet de chair. Regardez. Là, c'est côté poulet de chair. Là, c'est le bâtiment de poulet de chair. Donc, je vous envoie encore sur le bâtiment de poule pondeuse. Ça, c'est le bâtiment de poulet de chair. Vous voyez comme ça. Ça, c'est le bâtiment poulet de chair. Bâtiment poulet de chair. Ah, c'est bâtiment poulet de chair. C'est pas encore terminé, hein? Regardez. Tous ceux qui sont les poulets qui sont dans des cases. Donc, ils appellent ça bâtiment poulet de chair. Maintenant, je vous envoie sur le bâtiment pondeuse. Ça, c'est le bâtiment poulet de chair. Voilà. Donc, voici ça. Ils appellent ça le bâtiment poulet de chair. Regardez là-bas, de l'autre côté, ça, c'est bâtiment pondeuse. Si vous voyez bien ce bâtiment, ça, c'est bâtiment pondeuse. Mais pour le moment, nous sommes en train de faire le chauffage des pondeuses. Voilà. Donc, voici les pondeuses qui sont ici. Avec nos méthodes, regardez, on a une très bonne méthode. Donc ça fait que souvent même on dort même. Et tous ceux qui travaillent ici, ils dorment avec les poulets. Franchement dit, ils dorment avec les poulets. Donc regardez, voici comment on appelle ça, où ils dorment. Voici où ils dorment. Et voici où on fait le chauffage. Donc voici les aliments de démarrage. Donc regardez bien, voici les aliments de démarrage. Donc ici, ça c'est le troisième bâtiment. Un bâtiment qui est conçu spécialement pour le chauffage. Ça veut dire dès qu'on finit le chauffage ici, on transporte les poussins maintenant dans le bâtiment. Et regardez là-bas, ça c'est le bâtiment de poule pondeuse. Ici de l'autre côté, ça c'est le bâtiment des poulets déchets. Donc ici, on ne fait que les chauffages. On fait les chauffages et on les transporte maintenant vers l'autre. Donc ici, c'est le chauffage qui est là. Regardez. Donc les voici, ça c'est le chauffage. On fait le chauffage avec plusieurs méthode. Donc, les voici. Regardez bien dedans. Donc, les voici. Ici, on a des poussins qui sont au chauffage. Voilà. Voilà. Donc, vous regardez bien. Ils sont au chauffage.
Je vous rappelle encore que ce projet n'est pas moi, voilà, mais je suis ça, c'est moi qui gère le projet. Celle qui a investi dans le projet, elle est en Europe et ses petits sont ici. Donc, dès qu'elle a fini sa formation, je suis en train de la suivre entre elle et ses petits qui gèrent la ferme. Donc, tout ce qui se passe ici, je suis informé de A à Z. Donc, vous voyez, c'est le chauffage. Ils sont ici au chauffage. Donc, hier, on a reçu plus de... on a reçu hier plus de 3000 pondeuses. Il dit bien 3000 pondeuses. Donc, c'est le chauffage des pondeuses qui sont là. Donc, vous voyez, voici les cases de chauffage. Voici une case, deuxième case, troisième case, voici troisième case, quatrième, cinquième case, cinquième maintenant, et voici sixième. Voilà. Donc, ici, on a 1, 2, 3. On a jusqu'à 3 étages. Donc, chaque étage peut prendre jusqu'à 400 poussins. Donc 400 poussins. Donc ça prouve que chaque case peut, j'avais dit sur les 3, je vais appeler ça une case, peut prendre jusqu'à 1200 poussins. Donc vous voyez, très bien. Donc c'est la méthode. Mais je vous rappelle encore, dans mon agence, pour que je gère même ton projet, il va falloir que tu fasses ma formation d'abord. Parce que c'est dans la formation, je peux t'accorder beaucoup de temps et puis discuter avec toi pour voir concrètement si tu es sérieuse pour investir ou pas. Tu investis en ton nom, mais tu trouves les gens pour gérer ton projet et je les suis comme technicien. Si tu n'as pas de quelqu'un crédible aussi pour gérer ton projet, alors tout de suite tu peux me tenir au courant. On a des gens qui sont spécialement formés pour gérer vos projets. Mais sinon, moi-même, je ne conseille pas à ce que vous lancez des projets avec des membres de votre famille. Voilà, je n'aime pas ça du tout. Donc, vous voyez, ici, il y a les pondeuses qui vont sortir. Donc, voici les... Voilà, tout est déjà là pour les pondeuses. Ok. Ok. D'accord. Donc, tout de suite, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que les poulets ont commencé à pousser. C'est ce que j'ai constaté hier nuit quand je suis arrivé. J'ai vu que les poulets ont vraiment commencé à tousser. Donc, je ne dis pas le nom de la maladie, ça fait partie de mes formations, donc c'est secret, la consultation est secret. Un docteur ne peut pas dévoiler le nom des maladies comme ça. Donc automatiquement, on va faire un vaccin. Non, pas un vaccin, je dois faire un traitement. Voilà, je vais faire un traitement tout de suite. C'est pourquoi ils sont en train de laver les abreuvoirs. Dès qu'ils finissent les abreuvoirs, on serait obligé de les servir à queue. Donc merci, c'est ça. Ok. Donc, je rappelle encore, la propriétaire de la ferme s'appelle Madame Amina Létain. Voilà, donc vous pouvez aller sur YouTube. Dès que vous tapez Ferme Focus, vous allez voir toutes les informations nécessaires pour entrer en contact avec la propriétaire de la ferme. Merci.